Les conflits peuplent l'histoire de l'humanité depuis les origines, depuis Bereshit. Le premier conflit, c'est naturellement Caïn et Abel, Caïn et Abel, qui va déboucher sur le meurtre originel. Mais l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Israël est remplie de conflits. Dans la paracha Matot que nous allons lire cette semaine, eh bien, on va voir un conflit qui va opposer Israël face à Midian. Et la Torah nous dit, Echalitsu mitechen Hashim la tzava, veyu al Midian, la tête nikmat Hashem be Midian. Préparez des hommes parmi vous pour aller à l'armée, et ils vont donner la vengeance de Dieu contre Midian. Rashi, commentant ce passage, dit Anashim tzadikim. Des hommes justes. Alors il faut se poser la question, pourquoi des hommes justes? La Gemara enseigne qu'il y a eu deux guerres où on a demandé à ce que les combattants soient que des tzadikim, Amalek et Midian. Et nos maîtres ont expliqué pourquoi. Amalek et Midian ont été tous les deux des ennemis patentés du peuple juif. Ils l'ont fait souffrir terriblement. Amalek, alors qu'il venait de sortir d'Égypte, il les a attaqués sans aucune raison. Et c'était une guerre terrible qui dure encore. Et Midian, parce que Midian a une telle haine d'Israël qu'il est prêt à débaucher les princesses de Midian, les filles les plus nobles, pour faire trébucher Israël et provoquer sa chute, à Dieu ne plaise. Et la crainte que la Torah formule implicitement, c'est le fait que face à ces deux entités, eh bien, l'homme est humain, c'est ce qu'elle veut dire. Il y a une tentation à la vengeance personnelle. Ah, ce sont des pourris, on va leur faire payer. Mais on n'a pas le droit d'agir comme ça. On ne doit pas avoir des conflits de personnes. On ne doit viser que l'intérêt collectif. Les ma'an Hashem, au nom de Dieu, et c'est-à-dire en toute sérénité, en toute quiétude et en toute responsabilité. À cause de cela, parce que la Torah sait que la nature humaine est vindicative quelquefois, elle demande, elle exige que seuls des tzadikim, des personnes qui sont capables de faire la part des choses, des hommes justes, pieux, prennent part à ces guerres, non pas pour assouvir de bas instincts de vengeance, mais au contraire, pour accomplir la parole divine. Et c'est la raison pour laquelle, pour ces deux guerres, parce que justement, il y avait un conflit latent, personnel qui traînait, on a demandé des personnes qui soient capables de faire la part des choses et d'aller au-devant du paraître pour entrer dans le cœur du problème. Hachem demande de faire la guerre contre ces deux peuples parce qu'ils ont un problème avec Israël, mais plus généralement avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur, et non pas pour régler un problème personnel, mais tout simplement pour accomplir la parole divine. C'est cela que nous apprend cette paracha, que l'on se doit de se garder de tout sentiment mauvais qui peut, à terme, à Dieu ne plaise, eh bien, influencer notre caractère. Pour nous préserver de tout cela, il faut réellement, je vous le dis, être un tzaddik. Shabbat shalom.